Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Empire's End. On va mettre le feu ce soir. I'm ready for it. Oh. Reboot, I'm correct, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded, careful don't pull the cord on me. No time to stay around, keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access, I'm just a fly to get up here. En fait, je fais le nouveau morceau de Taylor Swift. Taylor Swift. Oui. C'est ça là. Non, je l'ai mis en story, mais je l'aime trop ce morceau. Taylor Smith. Oui. Non, c'est pas Smith. Taylor Smith. Taylor Swift. Bon, il faut savoir que Oli, il y a certains mots qu'elle n'arrive pas à dire. Ils le savent, je crois. Par exemple, chewing gum ou des trucs comme ça. Et Swift, elle n'arrive pas à le dire. Elle est trop bien cette musique. Bon, en tout cas, j'aime bien cette musique et je l'ai mis en story sur Instagram. Et donc, je la faisais. I'm ready for it. Même je sais pas la faire non plus. Mais elle est super. C'est un très bon tube. D'ailleurs, je le mettrai en... Tu le mettras en fin de vidéo. Ok. Si on a le droit. Ouais. On n'aura pas le droit, mais c'est pas... Mais on la mettra. Pas longtemps. On la mettra, c'est une trop trop bonne musique. En tout cas, donc ce jeu. Ce soir, oui. On joue à Empire's End. Qu'est-ce que tu veux dire sur le jeu pendant que je lance les prédictions? Prédictions. Yes. Willow versus Oli. Ouais. C'est ça. Votez à votre âme et conscience. Je ne vous en voudrais pas si vous votez pas pour moi. Je comprends. À cause de moi, en ce moment, vous perdez tous vos points de chaîne. Les prédictions sont lancées. 2 minutes. C'est parti. Let's go pour les prédictions. Alors, ce jeu nous a été présenté à Vichy par Guillaume de Lucky Duck. Yes, merci Guillaume. Ouais. Mais on n'a pas eu le temps d'y jouer parce qu'il y avait déjà des gens sur table. Et pas sur la table, mais en train d'y jouer. Et moi, sur le coup... Bah, j'y allais pas forcément. Pas forcément. Je dis ok, ça a l'air pas mal. Mais Joe Dice et Gengis, quand ils sont venus à la maison, nos modérateurs, nous l'ont apporté et nous avons fait une partie à 4 et ça a été le coup de foudre. Oh, ça a été révélation. Révélation. Ouais, c'est ça. Un coup de cœur et là on s'est dit waouh. On allait passer à côté. On allait passer à côté de quelque chose qui met un vent de fraîcheur sur toutes les sorties qui sont sorties cette année. Ouais. Donc on l'a demandé à Lucky Duck, ils nous l'ont envoyé. Merci beaucoup. Merci Lucky Duck. Et on est très content d'en faire un live, voilà, parce que on aime ce jeu. Mais ça va cramer, hein. Ce qui est difficile, c'est de que ça crame. Voilà, ça c'est chaud patate. C'est ça. C'est dans tout jeu, on a pour habitude de construire. Ouais. On construit, on fait sa civilisation. On est content, c'est beau. Là, on commence la partie, on a un empire qui est prospère. Et les fléaux, ils arrivent. Et on doit forcément, à un moment donné, faire cramer des lieux dans sa civilisation. Et ça, c'est pas, j'allais dire, c'est pas naturel. C'est pas naturel. On veut pas. Mais c'est la mécanique du jeu qui le veut. Il faut savoir s'en sortir malgré tout. Je trouve ça tellement fort. J'ai eu du mal quand on avait joué avec Jodex et Jenjins à faire cramer mes villages, mes vallées là. J'arrivais pas. Hein. C'était très dur. D'ailleurs, Jenjins vient d'arriver. Jenjins, t'es là. Et qui dit à ton frère salut et super boulot pour les figurines de Karak. Donc, il est très content. Je les ai même pas vus moi. Donc, nous on les a même pas vus. On habite à côté. On les présentera d'ailleurs. Bon, j'ai hâte de les voir. On les présentera dès que David nous les apporte. Alors bon, écoute, moi je suis prêt. C'est super que dans la place, il y a aussi Gengis qui connaît bien le jeu. Donc si pendant qu'on est en train de jouer, je vois pas une question, bah, il pourra vous répondre puisqu'il connaît le jeu. Oui. Du coup, moi, je suis prêt à te lancer par toi. Bah, on joue. Alors. Prédiction. C'est super équilibré, 51% pour Oli. Super équilibré, ça se voit qu'en ce moment, comme je gagne beaucoup en vidéo, vous avez un petit peu freiné vos ardeurs au niveau des... Et c'est ce soir qu'elle va gagner, vous allez voir. Bon, attention parce que... This girl is on fire. À peu près 22 000 points de chaîne misés de part et d'autre. Ok. Donc franchement, que ça soit Oli ou moi qui gagne ce soir, vous allez récolter des points de chaîne ce soir. Donc moi je suis content, ça me met moins la pression, c'est cool. Ok. Je trouve ça très bien. Ok, je mets la souris de côté. Hop là. Alors, tu nous présentes le jeu? Allez, je vous présente Empire's End. Donc, nous avons une installation pour 2 joueurs. C'est un jeu de 2 à 4 qui va pouvoir se jouer en à peu près 45 minutes ou 1 heure, un peu plus quand on est à 4. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un petit éclair ici, vous le voyez. Il y a un mode, j'allais dire, éclair, justement, qui permet de, quand on est à 4 joueurs, commencer directement ici, avec 2 fléaux qui sont déjà abattus sur ta civilisation, et donc faire un mode plus rapide, quoi. Voilà, plus rapide, pour qu'on soit à peu près sur le temps de partie d'un 2 joueurs, comme on va faire ce soir. Okay. Ce soir, donc, on a un plateau recto verso. Ce plateau, c'est le plateau 2 joueurs. On va faire une partie normale, c'est-à-dire qu'on va faire toutes les actions de cette frise jusqu'à la fin. Autour du plateau, on a les points de victoire, et de part et d'autre, donc de la table, on a notre empire, notre civilisation, que on a mélangé au départ. J'ai mélangé, moi, ces tuiles, et Oli a fait la même installation que moi. On part sur une installation qui est symétrique. Donc, je vais vous montrer sur ma jolie caméra zoom comment se présente une tuile. Une tuile, c'est simple, elle se présente comme ceci. Il y a le nom, ça c'est une ferme. Dans les lauriers, c'est les points de victoire qu'elle rapporte. Les 5 marteaux en dessous du nom, c'est si malheureusement elle a été frappée d'un fléau et qu'elle a cramé, et ben pour la reconstruire, il faudra 5 marteaux. Et en bas, nous avons ce qu'elle apporte comme bonus à certaines phases. Là, elle apporte, dans la phase économie, un bonus, on va récupérer un marteau. Un marteau, tout simplement. Voilà comment se lit donc une tuile, c'est très simple. On a tous les mêmes tuiles. Elles vont, au fur et à mesure de la partie, bouger, parce qu'on va pouvoir les bouger, et après, au fur et à mesure de la partie, le jeu va se transformer asymétrique. Et, mais au départ, on démarre avec la même chose. Donc, l'idée, c'est qu'on est sur un empire prospère. Tout nous rapporte des points de victoire au début de la partie. Les points de victoire sont hauts. Et à chaque fois qu'on va tomber sur des cases comme ceci, fléau, ben, y a un fléau qui va s'abattre sur nous, c'est-à-dire ben, une famine, une éruption volcanique, etc., une invasion barbare. Et on va devoir faire donc faire une sorte de mise aux enchères à inverser. On va devoir miser des ressources. D'ailleurs, derrière le paravent d'Oli, il y a ses ressources de départ. On part avec 2 ressources de base de chaque, c'est-à-dire 2 blés, 2 marteaux, 2 haches, et on a oublié de lui donner... Tu m'as pas donné une pièce. 2 pièces. 2 pièces. Alors, les pièces, ce sont des ressources universelles. Elles remplacent n'importe quelle ressource. Moi, pour le bien de la caméra zoom qui est ici, j'ai mis hors champ mes ressources à moi dans une petite boîte porte token. Donc, vous voyez aussi que j'ai donc hors champ 2 ressources de chaque, bien cachées d'Oli, parce que quand on fait les enchères, il faut pas que l'autre... Au début, on commence avec les mêmes enchères. Les autres joueurs voient s'il nous manque ou pas de la ressource. Voilà, c'est ça. Et après, ça va changer. D'ailleurs, tout est bien expliqué. Derrière mon petit paravent. Derrière le petit paravent, il y a les effets donc de la phase d'économie en vert, de la phase de croissance en marron, de la phase de conflit en rouge. C'est très bien expliqué. Et franchement, c'est un modèle d'édition, ce jeu. On en reparlera en fin de vidéo. Vous allez voir, parce que pour moi, parmi les jeux que j'ai joué cette année en termes d'édition, je pense que il se pose là, ce Empire's End. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'à la fin du livret, nous avons une petite aide de jeu qui résume vraiment l'installation, la mise en place et les règles de base. Donc, si vous voulez y rejouer, que vous n'y avez pas joué pendant plusieurs mois, il y a une petite... Avec ça, vous repartez. Ou une petite vidéo de Willow & Oli. Ben, c'est encore mieux. Ah, c'est pas mal aussi. Allez, c'est parti. Est-ce que je vous mettrai pas dans le pitch? Parce que moi, ça me plaît d'être dans le pitch quand même. Empire's End, gloire et déclin, vous met au défi de triompher d'une série de fléaux afin que rien ne vienne entacher votre prestige. Après des siècles de suprématie, votre empire est aujourd'hui en pleine décadence. La famine menace votre peuple, les épidémies gagnent vos glorieuses cités et les barbares sont à vos portes. Parviendrez-vous à surmonter cette époque de troubles? Préservez ce qui peut l'être, mais n'oubliez jamais qu'il faut savoir perdre quelques batailles pour gagner la guerre. Un chef digne de ce nom doit être capable de transformer les difficultés en opportunités. On a un beau pitch, hein? Ah, c'est sympa. Là, on est dans l'ambiance, c'est bien. On est dans l'ambiance. Donc, du coup, comme d'habitude, on vous propose de vous expliquer les règles tout en jouant. Ce sera plus fluide. C'est ça. Alors, bon, vous l'avez su, cet après-midi, on a fait une partie. Oli a gagné 2 points, 140 à 138. Donc, ce soir, j'ai récupéré le jeton premier joueur. Je vais commencer, puisque j'ai perdu la dernière partie hors caméra. Ok. On est parti. Donc, on a un petit jeton comme ceci. Flamme. À 2 joueurs. À 3 et 4 joueurs, on en a 2, parce qu'il y a des doubles fléaux. Et si vous le voulez bien, on est parti pour une partie de Empire's End. On est prêt à mettre le feu. Ok, je compte sur toi, Gengis, dans le chat, pour répondre à certaines petites questions si on ne le voit pas, parce qu'on va être concentré quand même, on va vouloir gagner, on va interagir assez peu. J'en profite pour dire bonsoir à tous ceux qui sont arrivés entre-temps, pendant que j'expliquais un petit peu les débuts du jeu, le psychédéclic, l'udicieux, et puis les autres que je n'ai pas vus. Vous êtes déjà 35 dans le chat, merci à vous. Allez, go. Let's go. Donc, on démarre directement par une des choses qui va se faire passer le plus dans la partie, c'est-à-dire un fléau. Déjà, on commence bien dans la vie. Allez. Un fléau, let's go. Ici on a un deck conflit, un deck fléau. Au début de la partie, avec Oli, on a tiré 4 cartes fléau. Oui. Pourquoi? Parce que ces cartes fléau, elles ont, je vais vous en montrer une. Elles ont une phase, elles ont le haut qui est un fléau, c'est-à-dire là, en l'occurrence, c'est une épidémie qui tomberait en case 5. On pourrait enchérir pour éviter cette épidémie avec du blé ou avec des marteaux. Mais, mais celui qui va récupérer, si ça aurait été un fléau, cette épidémie, il aurait eu donc la cage 5 qui brûle, effectivement, mais il aurait pu mettre sous une tuile prospère cette innovation. Et cette innovation, elle se serait déclenchée au moment où il y a des phases d'économie. Et ça veut dire ça que pour chaque lieu sinistré adjacent, on gagne 2 points de victoire à chaque phase d'économie. Et donc, on va devoir récupérer des fléaux comme ça pour essayer d'engranger plus de ressources que l'adversaire, engranger des points de victoire, essayer de s'en sortir au mieux avec ce qu'on a. C'est pour ça que, donc, au départ, on a ces quatre cartes fléaux qui vont nous servir dans les phases de croissance. Ok ? Let's go. On démarre donc par une phase de fléau, c'est tout simple. On tire la première carte fléau de la pioche. Je fais un petit... Et on tombe sur une famine qui va frapper notre lieu numéro 7, c'est-à-dire notre ferme. Ça va, la ferme... Elle rapporte que 3 points de victoire, donc ça va. La ferme, elle est donc 3 points de victoire, 3 points pour la réparer. Et là, on va pouvoir enchérir avec uniquement du blé ou la ressource universelle, c'est-à-dire la pièce d'or. En commençant par le premier joueur, je suis premier joueur, donc je vais enchérir tout de suite par du blé. Voilà. Pareil. Et celui qui s'arrête d'enchérir, qui ne veut plus enchérir, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère, il fait cramer sa ferme, donc sa ferme devient sinistrée, il la retourne, et il va récupérer l'innovation qui est en bas de cette carte fléau, c'est-à-dire que là, on a un petit emplacement cube qui nous permettrait, pour un futur fléau, de mettre un petit cube ici, à la place d'enchérir sur un fléau qui demande... Une ressource blé. Une ressource blé. Donc moi j'ai enchéri un blé, Willow. Toi t'as enchéri un blé aussi. Est-ce que je renchéris de suite? Est-ce que je renchéris de suite? Écoute, non, je la prends. Tu fais cramer? Je fais cramer. Donc, je décide de ne pas renchérir. Je fais cramer ma ferme, malheureusement. Donc, je décide que ma ferme crame. Donc, elle va être du côté cramé, c'est-à-dire qu'elle ne rapporte plus 3 points de victoire. Je pourrais, en phase de croissance, la reconstruire pour 3 marteaux. Je la mets donc côté sinistré. Et par contre, je récupère cette innovation avec ce bonus en bas que je dois mettre en bas, en dessous d'une tuile prospère. Qui n'est pas brûlé. Donc je vais la mettre en dessous peut-être tout de suite de ma cité. Allez, okay. De ma cité. Et tu restes premier joueur comme tu as pris le fléau. Comme j'ai pris le fléau, je reste premier joueur. Moi je fais rien cramer. Voilà, et écoute, on passe en phase économie. En phase économie, qu'est-ce qui se passe, Oli? Tu peux expliquer? On va récupérer toutes les ressources où il y a marqué économie. C'est ça. Donc là... Est-ce que tu veux qu'on commence par la gauche, peut-être? Ok. Un marteau. On récupère tous les deux un marteau, toi aussi. Oui, un marteau. Parce que toi, ça n'a pas cramé. Allez, ok. Ça permet de récupérer des ressources qu'on garde bien cachées derrière, je vous les montrerai après. Ok, la phase d'économie aussi, tu l'as aussi, c'est pas sinistré, donc une hache. Une hache pour chacun d'entre nous. Donc ça se fait en simultané, c'est plutôt cool, on récupère des ressources. Ensuite, on a la voie qui nous permet de gaspiller, d'investir plutôt un blé, et pour récupérer un marteau ou une hache. Et on peut le faire 2 fois. Est-ce qu'on le fait? Bah, toi, tu fais ce que tu veux. Tu veux le faire? Écoute, non, je vais pas le faire. Ok, moi, je vais le faire. Je vais récupérer un marteau. Voilà, donc, Oli, je vous le montre, elle troque. Elle a troqué un blé contre un marteau, et elle avait la possibilité de le faire jusqu'à 2 fois, comme marqué en bas. Ouais. Voilà. Mais je l'ai fait qu'une fois. Et moi, je peux récupérer après un blé. Parce que ma ferme n'a pas cramé. Hein. Enfin, la tienne, elle a cramé. Moi, ma ferme, elle a cramé. Donc, malheureusement, je ne peux plus récupérer le blé de ma ferme, là. Et elle a cramé. Et je récupère un blé. Et c'est tout ce qu'on peut récupérer. Oui. Et les deux autres, et les voies, je vous montre à quoi ça correspond. Les voies permettraient de récupérer, en fait, des petits cubes qui auraient été investis sur des innovations de part et d'autre de la voie. Si j'avais mis des petits cubes pour enchérir gratuitement avec des innovations, eh bien, ce petit symbole de renouvellement, ça aurait voulu dire qu'à la phase d'économie, on retirait les cubes pour pouvoir se resservir de ces emplacements. Voilà. Merci Gengis qui donne des explications sur le jeu en même temps qu'on est en train de jouer, c'est top. Franchement, ça c'est du luxe. Merci Gengis, merci Enzmae pour la gestion du chat ce soir, merci beaucoup. Alors, donc du coup, on a activé toute notre phase d'économie. On peut faire tout ou pas, ou pas. Je regarde si j'ai rien oublié. On n'a rien oublié. Toi, t'as cramé le blé. Ouais, donc, bon, bah écoute, on part directement sur un nouveau fléau. Eh oui, il n'y a que des fléaux dans la vie. C'est incroyable. Alors là, on part sur une inondation qui va avoir lieu... 6. Eh bien, le niveau, en 6, on a une voie qui fait 9 points de victoire quand même. Le premier à enchérir, ça va devoir être moi. Je peux enchérir avec ce que je veux. Donc, je commence à enchérir avec un marteau. Je mets un blé. Ok, ok. Je mets un blé. Je mets un marteau. Écoute, je vais utiliser un petit cube pour pouvoir utiliser mon... Je vous le montre un peu plus grand. Ici, en face de fléau, je peux mettre un petit cube ici pour, à la place d'enchérir un blé, et ben, je fais comme si je faisais une enchère gratuite. Ok. Donc, j'ai enchéri. J'ai pas mis de blé, mais j'ai enchéri grâce à... Ça, c'est trop injuste. Grâce à cette innovation. Qu'est-ce que tu fais? Je fais cramer. Allez, je fais cramer. Je récupère la carte. Alors d'abord, tu dois faire cramer ton lieu 6. Donc elle fait cramer sa voix, elle la retourne. Ouais. Elle crame. Elle renonce à 9 points de victoire. Ben, bien sûr qu'on déteste cramer, c'est normal. Il le faut dans ce jeu. Pour récupérer des ressources, c'est la mécanique. Je vais mettre donc... l'économie, un marteau, je vais... Et là, elle récupère donc une innovation qui va lui permettre d'avoir en mode d'économie un marteau, c'est quand même bien. Oui. Elle doit le mettre sous, par contre, une tuile qui est prospère. Ma cité aussi. Hein. Parce que tout ce qui est sous une tuile qui est sinistrée, bah, n'est plus activé. Eh oui, c'est normal. Ouais. Et je récupère des ressources. Ça, c'est pas mal. Elle a récupéré... J'essaie de calculer. Il calcule. Attends, ferme les yeux, je fais juste te voir. Allez, derrière mon petit. J'ai les yeux fermés. Et trésor caché. Tu me dis quand je peux ouvrir. C'est bon. Ok. Écoute, tu as cramé, donc c'est toi qui récupères le jeton premier joueur. Ok. On avance et on part sur un nouveau fléau. Bien entendu, on est là pour ça un petit peu. Regardez les conflits, il n'y a que ça dans la vie. Allez, on part sur une inondation au lieu numéro 5. C'est une voie pour moi aussi. Voie 17. 17 points de victoire quand même. Hein. Ah, ça commence à compter. Ouais, on peut enchérir avec toutes ces ressources. C'est toi qui dois commencer. Allez, c'est parti pour un blé. J'enchéris avec un blé. J'enchéris avec un blé. J'enchéris avec... C'est les enchères ce soir. Avec un marteau. J'enchéris avec une hache. Allez. J'enchéris avec une hache. Je sais qu'il faut cramer dans la vie, mais 17 quand même. 17, c'est beaucoup. Hein. Allez, je crame. Aujourd'hui, je crame. Allez, je crame. Je vais cramer ma voix 17. Pouh, ça fait mal au cœur quand même. Ah, non, mais bravo, c'est bien joué. 17. C'est bien joué. C'est difficile de savoir quand s'arrêter. C'est ça. C'est très très difficile de savoir quand s'arrêter. C'est le plus dur, il faut choisir. Donc 17 cramés. Ok, mais par contre, tu récupères en économie, tu récupéreras une pièce d'or. Oui. Ça, c'est super fort. Je vais la mettre dans mon village. Ce jeu m'a cramé. Brûlez-le encore. Brûlez-le encore. Ça, c'est mille et une pattes. Hein. Ouais, c'est dans mille et une pattes. J'avais trop pas dit ça. Brûlez-le encore. Richesse. Bon, moi, avec tout ça, j'ai plus de ressources. Hein. Ok, donc tu restes... Je reste première joueuse. Ok, on passe dans notre première phase de croissance. Phase de croissance, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir activer les tuiles marron. D'origine, on a deux tuiles marron qui nous permettent de faire une construction donc d'une de nos cartes qu'on a en main pour un marteau de moins. C'est-à-dire, ben, généralement, c'est un marteau. Une innovation, je vous la montre. Généralement, c'est un marteau, donc ça permettrait de faire deux constructions gratuitement. On a le choix de faire deux constructions ou de vendre deux cartes. Pour une pièce d'or chacune, ou de faire une construction, vendre une carte. Voilà. On a le droit de faire ça. Okay. Du coup, comme on a encore nos deux villages, on peut faire deux innovations si on veut gratuitement. Là. Gratuitement. Ouais. Donc, au lieu de payer un marteau, on ne paiera pas, parce que là, on ne paiera pas la ressource demandée ici. Exactement. Icoq. Merci. Oh, merci pour ton nouvel abonnement, Icoq. Merci beaucoup. Alors... Ah, tu me dis ou je dis, comme tu veux. Vas-y, vas-y, commence. Alors moi, je vais, pour un marteau de moins, puisque je vais utiliser donc ça sera gratuit. Croissance, elle sera gratuite. Tu vas construire une innovation qui va te permettre en mode économie d'avoir une hache. Ouais, je vais le mettre ici, allez. Hop. Ça me permettra d'avoir une hache. Et toi? Alors moi, je vais mettre peut-être ici, je vais construire cette innovation-là qui en économie me permet d'avoir un blé si de part et d'autre de cette innovation, il y a des fermes. Et moi, en l'occurrence, j'ai deux fermes ici de part et d'autre de ce village, donc je vais construire cette innovation ici gratuitement. J'ai la même carte que toi. Pour que en phase d'économie, je récupère un blé, deux blés. Si mes fermes restent safe, hein, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Okay. Bah, j'avais la même carte que toi dans la main. Ah, ok. Donc, elle est plutôt bien, celle-là. Je l'aime bien aussi. Et je vais la mettre aussi à côté de deux fermes. Ok. J'ai tout bougé, Oli. C'est des choses qui arrivent. Et je vais construire une deuxième innovation. Ça sera celle-ci pour avoir un point d'armée supplémentaire en cas de conflit. En cas de conflit, bon, je vais mettre ce point d'armée avec cette caserne. Je sais que c'est dangereux de mettre tous ses œufs dans le même panier, mais je vais le faire quand même. Allez, je le fais. Voilà, j'ai construit ces deux innovations. Tu en fais une deuxième? T'en as fait deux déjà? Oui, j'en ai fait deux, moi. Maintenant, on a le droit de défausser ces deux cartes restantes ou de les garder et d'en repiocher jusqu'à en avoir 4. Et on a le droit de reconstruire. Ah, et on a le droit de faire une reconstruction, bien sûr, dans cette phase-là, en reconstruisant, en dépensant des marteaux. Moi, j'ai une ferme à reconstruire pour 3 marteaux. Malheureusement, j'ai pas 3 marteaux, donc je peux pas. Bonsoir à tous ceux qui arrivent, merci, 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 merci. On est concentrés, hein. Non, je vais pas reconstruire tout de suite, je sais pas, ça vaut le coup. Moi non plus. Écoute, les deux cartes que j'ai, je les conserve. Donc, je repioche 2 cartes. Et toi, tu fais quoi? Pareil, je les garde, 2 cartes, s'il te plaît, Willow. Et donc, 2 cartes de plus. Voilà, on a fini notre phase de croissance. Si j'avais un marteau, dit Argache. Ouais, c'est ça. Si j'avais un marteau, je taperais Willow. Exactement. Je taperais mon frère, je sais pas si c'est toujours là. On a aussi le droit, excuse-moi, en phase de croissance... De faire quoi? D'activer notre cité qui nous permet d'intervertir 2 tuiles. Écoute, je vais le faire parce que ce fléau, j'ai envie qu'il soit renouvelé par... Ah oui. Tu changes avec la voix. Moi, je touche à rien. Alors, attends. Ouais, j'ai bien envie que ça soit renouvelé en phase d'économie. Que ça parte. Donc, je vais certes... Ah, mais là, il y a 2 voies. Bon, tu échanges ? Je pense que je vais échanger celle-ci. avec celle-ci. Donc, ok. Et la carte suit. Je fais un... Et la carte du dessous, bien sûr, suit. Donc, ta cité change de place. Elle passe en numéro 5. Voilà. C'est là où le où l'Empire va commencer à devenir asymétrique. Ouais. Très bien, Willow. Écoute, fin de phase de croissance. On part sur une nouvelle phase de conflit. C'est parti. De conflit. Pardon, de fléau. Tu es première joueuse, donc allez, on révèle un nouveau fléau. Let's go. Alors, c'est une épidémie qui vient en 9. 9. Oh punaise, c'est notre village. Oh, le village. Ah non, pas le village. Qui vaut 20 points de victoire. Ah ouais, ça va être chaud là. Bon, bah, c'est toi qui enchéris en première. Blé. Je paye un blé. Je paye un marteau. Je ne veux pas cramer. J'y mettrai tout mon cœur. Un blé. Je mets une pièce. Tu essaies de m'attirer avec de l'argent. Ouais, c'est ça. Petit malin. Je mets un blé. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je fais? Cramez Willow. Cramez Willow. Brûlez-le encore. Brûlez-le. Brûlez-le. Bon, après, c'est... Voilà, quoi. Hein. Je suis bien embêté. Je pense que je pense que je vais mettre. Il y en a encore. Hein. Je pense que je mets un blé. Ouais, que faire? J'ai pas envie de cramer. Hein, 20 points de victoire. Qui crame, t'imagines? N'essaie pas de m'influencer. N'essaie pas de m'influencer. Allez, une pièce. Pour attirer l'adversaire. Aïe, 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 aïe. Que fais-tu, Willow? Ah, je prends. Il prend son village crame. Mon village crame. Ouch. Aïe, 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 aïe. Mon village de 20 points de victoire crame. Je vais récupérer... je vais récupérer cette innovation qui permet de récupérer 4 points de victoire en score final si c'est adjacent à des fermes. C'est pas mal aussi. Mais du coup... J'ai déjà une innovation ici qui est bien placée. Donc tu peux pas en mettre 2. Hein. Donc je peux pas en mettre 2 tant que tous les lieux prospères n'ont pas un truc. Donc je vais le mettre en dessous, ouais. Je vais mettre sur la voie ici pour être adjacent au moins à une ferme. Ça fera 4 points de victoire en fin de partie, c'est pas négligeable. Si je conserve cette voie, safe. Hein. Et par contre, je récupère... de la monnaie. Monnaie, monnaie, monnaie. De la ressource. Ouais. Tu veux montrer tes ressources ou pas? Allez, je peux les montrer. Je ferme. Allez, ferme tes yeux. Je montre mes ressources. Voilà, à l'heure actuelle. Tu peux rouvrir les yeux. Je montre les miennes? Allez. Voilà, à l'heure actuelle. C'est bon, je suis heureux. C'est bon. Ok, qui c'est qui a cramé? C'est moi, je récupère ton premier joueur et on passe dans notre première phase de conflit. Ouh, alors... Je veux pas la guerre, non, 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 non. Phase de conflit, on va récupérer la première carte qui est sur le deck conflit et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Bon bah là, à partir de là, il va falloir simplement qu'on mise face cachée, donc avec les points comme ceci au-dessus de la table, des points d'armée. Des points d'armée d'origine, on en a sur nos casernes. Oli, il y en a 2, 4. Toi aussi, t'as encore tes 4. Ah, t'as 5. J'en ai pris une 5e grâce à cette innovation. Donc, d'origine, j'ai 5 points d'armée. Oli, il y en a 4. On peut rajouter des points d'armée en dépensant des haches et ou des pièces, qui sont donc une ressource universelle. Okay. C'est parti. Donc, moi, j'ai 5. Toi, tu pars avec 4. Allez. Combien il faut pour avoir ces points de victoire? Alors, 5. Combien il en faut? Il faut 7. 7. Ok. Les poings serrés, ça c'est facile. Fermez les yeux. J'aime plutôt ça. 1, 2, 3. Alors, ouais, moi j'ai misé cher, hein. Alors, j'ai 5 plus 3, j'ai 8 en force militaire. J'ai 9. 4, 5, 4 6, et 4, 8 et 9. Punaise, tu gagnes. J'ai mis 4 haches et une pièce. Alors... J'ai gagné la guerre. Donc, Oli se retrouve avec 7 et plus. Et en plus, elle gagne. Donc, elle va avoir donc 7 plus 3 points de victoire. Elle va avoir 10 points de victoire. Et elle récupère 2 blés. Merci. Et une pièce comme elle a gagné la guerre. Bravo. Hein. Merci. Moi, j'ai fait 8. Donc, j'ai plus que 7. Donc, je récupère 7 points de victoire. Tu gagnes quelque chose? Ah oui, tu et gagnes, je gagne 2 blés. 2 blés quand même, c'est bien. J'ai récupéré mes ressources. Et on passe en fléau. Allez, phase de fléau, c'est parti. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Qu'est-ce qui nous tombe dessus? Bah, une sécheresse, bien sûr, en lieu numéro 2. Le lieu numéro 2, c'est un village qui fait 25 points de victoire. Ouf, ça fait mal, ça. Ça fait mal. Je dois enchérir en premier, donc on peut enchérir avec du blé et de... Et des haches, on y va. Blé. 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 Or. Blé. Ferme les yeux. Donc, je vais devoir arrêter, puisque je n'ai plus de... Bon, de hache et ni de blé. Tu peux ouvrir les yeux? Ouais. Ok. Donc en fait c'est clair, il doit savoir ce qui me reste. Bon, je suis obligée. Bon, fais cramer ton village. Je voulais pas que mon village crame quand même. Je ne veux pas. Juste avant une phase d'économie en plus, non, oh, non. Ça aurait été trop dramatique. Oh mais tu vas récupérer plein de choses là. Non mais que dalle, du blé. Allez donc tu fais cramer ton village. Oh, non, en plus il y avait la ferme là. La ferme qui allait scorer des trucs, ouais. Oh, attention. Oh là là, tu vas pouvoir mettre où tu veux. Ça fait trop mal au cœur. Hein. Eh bien, cette innovation. Et tu vas récupérer tout ça, quand même. Oui, mais bon. Moi, j'ai plus grand-chose comme ressources, je te le dis de suite. Hein. Ok, tu peux me passer mes ressources. Ah bah oui, alors là, tu peux faire la fière pour, pour la prochaine enchère. Hein. Ok. Je prends le jeton premier joueur. Yes. C'est bon? C'est tout bon. Nouvelle phase d'économie. On active. L'économie, ça fait du bien. Si ça te dérange pas, ben commence. Ok. Et après je le fais. Moi j'aime bien commencer comme ça. J'ai commencé par ce côté, j'aime bien. Allez. Ça dérange personne. Une hache. Ouais. Grâce à ma carte ici. Ouais, t'as une belle phase d'économie toi. Hein. Un marteau. Mmh. Une pièce d'or. Une pièce d'or. La denrée la plus rare du jeu. Un blé. Mmh. Du coup. Ici, je gagne juste à côté d'une ferme 2 points de victoire, Willow. Oui, 2 points de victoire, c'est ça. 1, 2. Une hache. Bah dis donc, t'as eu une belle phase d'économie. Hein. Et un... Bah là, c'est cramé. Et un marteau. Et un marteau. Et je vais utiliser cette fonction-là. Oui. Pour changer un blé en marteau ou en hache. Je vais changer 2 blés. Parce que j'ai le droit jusqu'à 2. Jusqu'à 2, ouais. Je vais changer... Un blé en marteau et un blé... Non, 2 marteaux je vais prendre. Avec ces 2 blés. Hop. Je les change en marteau. Ok. Eh bien écoute, moi je commence de la gauche. Ici je récupère un marteau. Ici en dessous, en phase d'économie, si je suis adjacent à 2 fermes, c'est le cas, je récupère... un blé à chaque fois, donc je récupère un blé, 2 blés. Ouais, t'as de la chance, t'as mis, ouais. Ici, je récupère une hache. Une hache, ouais. Ça, je verrai si je le fais après. Ici, en phase d'économie, je peux renouveler, donc enlever le petit cube ouais. Des 2 lieux qui sont adjacents, donc j'enlève ça. Et est-ce que je transforme 2 blés en marteau? Ou pas, je pense que ça peut être sympa, surtout que j'ai des réparations à faire. Je vais transformer un blé en marteau. Est-ce que je le fais une deuxième fois? Regarde. Non, je le fais qu'une fois, Oli. Ok. Je le fais qu'une fois. Ouais, c'est tout. Ok. Donc on a récupéré plein de richesses, c'est pas mal, hein? C'est parti? Ouais. Nouvelle phase de fléau. Et on passe sur une sécheresse au En 3, c'est une ferme. En 3, c'est une ferme. Ouais. Et c'est qui doit commencer à enchérir? C'est toi. C'est moi. Donc on a le droit du blé ou un marteau. Ouais. Allez, c'est parti pour un blé. Je mets un blé. Je mets un blé. Je mets un blé. Qui veut du blé? Un blé. C'est marqué quoi en dessous, le score final? Copier une autre capacité score final de votre empire. Ok. Cramez-le, cramez-le, cramez-le. Je sais pas ce que je fais. Moi non plus. Écoute, je prends. Je prends, je vais cramer ma ferme qui coûtait 8 points de victoire, malheureusement. Encore 8, ça va, moi j'ai une 20, 25. Je la crame. Je récupère cette sécheresse. Mmh. Et où est-ce que je vais mettre ça, ce score final là? Je vais la mettre peut-être sur cette voie. Ou... non, sur cette ferme, je pense. Allez, sur cette ferme. Plutôt bien, tu pourras copier cette carte-là. Pour l'instant, tu as juste... pour le moment. Ouais, j'en ai pas, moi, des... Et je récupère un peu de blé, mais... un peu de blé. Mais pas autant que j'aurais voulu. Hein. Telle est la voix d'Edward Scotty. Willow va le prendre. Ah, tu le sentais, hein. Et voilà. Coquin. Bon, nous passons... Donc je repasse premier joueur. Oui, tu repasses premier joueur. Et nous passons en phase de construction. Vous avez vu, c'est fluide, hein. Phase de croissance. Croissance, pardon. Allez, c'est parti. Donc on va pouvoir, si on veut, faire des constructions. Moi, malheureusement, je n'ai plus qu'une tuile qui dit que je peux construire pour -1. L'autre, elle a cramé. Mm-hmm. Et on peut activer donc toutes les phases de croissance. On va pouvoir aussi intervertir 2 tuiles. Ok. Je regarde moi, si c'est intéressant de le faire. Je regarde si c'est intéressant de le faire ou pas. Un des trois. C'est cher. J'ai économisé 10 marteaux. Ouais. Et pas mal, hein. Ah punaise, tu veux reconstruire ton village? Et je reconstruis mon village. Ah, ouais, 25 points quand même. Bravo. Allez, je reconstruis mon village avec 10 marteaux. Ça, c'est bravo. C'était chiant, hein. Bon, moi, je vais construire... Ah. Là, j'étais à 9. Je vais construire cette innovation pour -1, donc gratuitement, pour la mettre ici sur cette caserne. Et la deuxième carte, est-ce que je vais la construire ou est-ce que je vais la vendre? Moi, je pense que je vais vendre une carte. Je vais vendre une carte. Je vais vendre cette carte-là pour 1 pièce. Et maintenant, est-ce que je reconstruis comme au lit? Moi, je vais mettre ça à côté d'un village. C'est un marteau, donc j'ai un de moins. Ok, tu l'as aussi? Ouais. Bon, bah moi, je vais gaspiller... 3 marteaux plus 2 pièces d'or. Et pour 5 marteaux, donc l'équivalent de 5 marteaux, je reconstruis cette ferme qui me coûte 5 marteaux. Ah ouais, tu peux reconstruire, c'est bien. Très bien, Willow. Voilà, je reconstruis une ferme quand même, ça fait plaisir. Yes. Et je vais mettre pour un marteau de moins, parce que j'ai encore un marteau de moins, ce conflit. Enfin, ça me rapporte un conflit, enfin... Une épée, pardon. Un point d'armée par lieu sinistré adjacent. Je vais le mettre ici. Okay. Ça ne fera qu'un seul, mais c'est pas mal. Donc, tu as construit 2 innovations? Oui. Elles t'ont coûté rien du tout parce que tu as encore... Voilà, j'ai mis -1. Village. Ok. Et j'ai reconstruit mon village. Toi, tu as reconstruit... Un village qui dit bien joué au lit, Niwena aussi. Ok. C'est le moment d'appeler les pompiers. Salut Sylvain. Toi, t'as combien? T'en as 2 de cramés pour l'instant. Moi, j'ai reconstruit, j'en ai 2 aussi. 2 aussi. On a 2 lieux sinistrés. Alors qu'il... Moi, j'ai un 17 et un 9. Et moi, j'ai un 20 et un 3. N'oubliez pas d'intervertir vos lieux si vous le souhaitez. Ouais. Donc oui, grâce à la cité. Donc est-ce que je vais le faire? Je vérifie, hein. Je crois pas. Ici j'ai deux fermes, c'est intéressant pour moi. Ici c'est intéressant pour moi aussi. Peut-être que si je répare cette ferme, moi je vais le faire. Je vais intervertir cette ferme sinistrée avec ma cité. Au cas où je répare ma ferme. Enfin, je reconstruis ma ferme, pardon. Comme ça, j'aurai plus de points de victoire en fin de partie. Voilà, ça, on le fait grâce à l'action croissance de la cité. Voilà, c'est tout bon. Bah moi, je vais rien bouger. Parce qu'on n'a pas le droit de bouger des lieux sinistrés. Hein, Willow. Si, on a le droit de bouger des lieux sinistres, bien sûr. Ah, on a le droit de les changer de place? Ouais, ouais, t'as le droit de changer n'importe quelle tuile de place. Ah, je croyais qu'on n'avait pas le droit. Du moment où t'as cette action de visible. Ah, ok. Tu vois Gengis, on a le droit de bouger des lieux avec les flammes, hein. Ouais, ouais. Mm. Je confirme. Je demande au cas où à Gengis, hein. Alors, est-ce que tu bouges quelque chose? Peut-être... Oh, merci, un cadeau. Merci, Veston, qui a offert un abonnement à qui? Qui a offert un abonnement. Merci. Quand tous les lieux sont occupés par le feu. Oui, ça, non, Jenjins, il répondait à une question là. Donc j'ai le droit de bouger par exemple. Merci infiniment, Beston, merci beaucoup. Merci beaucoup, ouais. J'ai le droit de bouger la ferme avec. Ouais, Jenjins confirme. Ok, avec ça. Donc ça tombe bien. Allez, bah tu. Je vais bouger la ferme avec ça. Ok. Par contre, on n'a pas le droit de mettre une innovation sur un lieu qui est sinistré. Ok. Ouais. J'ai bien compris. Bon ben... Je reprends deux cartes, Willow. Moi, je reprends deux cartes aussi. Encore celle-là. Attends, est-ce que je garde ces deux-là, moi? Je vais les jeter. Aïe, 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 aïe. Donc, j'en reprends 4. Toi, t'en reprends 2? 2. 2 et moi 4. 1, 2, 3, 4. J'ai entendu un gling-gling. Ok, c'est pas mal. Alors... Ça va, si pas mal. Si pas mal? Ouais. C'est parti, c'est moi qui suis premier joueur, c'est moi qui ai pris le dernier lieu qui a cramé. Oui, c'est toi qui as cramé, ouais. J'avais cramé où, moi? Je ne sais plus. Je me rappelle plus, mais en tout cas, j'avais cramé, c'est sûr. Passe de fléau. Let's go. Alors? Un séisme en 11. Ah non, c'est bon, ah, c'est une caserne quand même. C'est une caserne. Ah, c'est bien pour le combat la caserne. Et moi, j'ai trois icônes de combat sur cette caserne. Ah, ouais. Punaise. C'est chaud là. Et après, dans 3 tours, il y a encore un conflit. Mm. Aïe, alors, aïe, on paye avec du blé et... Ou des haches. Je commence avec du blé. Je commence avec du blé aussi. Mm. J'enchéris avec du blé. J'enchéris avec du blé. En fait, je fais tout ce que fait Willow. J'ai remis du blé. J'ai pas envie de péter cette caserne, c'est pas possible. Attention, je mets de l'or. Monseigneur. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Blé. Intéressant. Il y a beaucoup de... Il n'y a que du blé. Il y a du blé, une pièce. Une pièce d'or quand même. Allez, j'en mets une deuxième pour attirer. Le gars, ça fait un gros tas. En plus, il y a du bluff, tu vois. C'est terrible. Il n'y a plus qu'une phase de croissance. Alors. Ah, j'ai quand même 3 qui partiraient là. J'hésite. Il faut choisir dans la vie. J'ai même blé encore. Et t'as que du blé, c'est pas possible. J'ai de l'argent, moi. Ferme les yeux. Bon, je vais prendre. Tant pis. Allez, la caserne va brûler. Non. En plus, ça m'a rapporté une hache. Allez, caserne qui brûle. J'ai chaud, là, j'ai chaud. Et donc, tu vas mettre... alors, L'innovation qu'elle récupère, c'est que si, l'endroit qu'elle va, où elle va mettre cette innovation, si elle devient sinistrée, elle gagne automatiquement 4 points de victoire. Ok, et ben j'ai que 2 emplacements disponibles. Ouais. Non, yeah. C'est soit si mon village crame, ou si mon autre village crame. Et, franchement. Non, caserne ou ferme. Ouais, si je le mets. Ah oui, c'est caserne ou ferme. Ouais. On va mettre caserne. Allez, ok. Allez, si la caserne crame, c'est ça? Ouais, ouais. Ok. Je récupère ah, là, le butin. Là, oui. Oh, punaise. Elle est riche. L'or, monseigneur. Et je repasse première joueuse. Ouais, c'est ça. Écoute, on passe en phase économie. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Phase économie, est-ce que tu veux commencer? J'ai beaucoup de choses, moi. Hein. Donc, ici, je gagne rien parce que ça a cramé, du coup. Exactement. Dommage. Je gagne un marteau. Mmh. Allez, je le fais en même temps que toi. Un marteau, moi, je pars de la gauche. Moi, je pars de la droite. Allez. Je gagne une pièce d'or. Ici, j'ai 2 fermes de part et d'autre de ce village. Donc, je gagne 1 blé par ferme adjacente. Donc, 2 blés. Ok. Là, hein. Bon, c'est pareil ici. Donc, j'ai 2 fermes. Ouais. Je gagne 4 points de victoire. Bravo. Puisqu'il marque 2. 1, 2, 3, 4. Oh, elle s'envole. Moi, je récupère avec cette ferme une hache. Oh, ben ici, un blé, j'ai oublié. Hop, un blé. Ça, je vérifie si je l'active après. Pareil. Ça, c'est bon. Moi, j'ai une hache. Et ça, c'est bon. Et une hache par village. J'ai juste un village à côté. Ça fait une deuxième hache. Ok. Et moi ici, j'ai un blé par ferme. J'ai 2 fermes, ce qui fait 2 blés. Donc j'ai un max de blé. Hein. Écoute, moi je vais, pour 2 blés, utiliser cette économie-là qui me permet de changer un blé en un marteau ou une hache. Je vais prendre 2 marteaux. Là, je vais faire pareil. Je vais utiliser donc cette économie pour 2 blés et je la change en 2 marteaux. Le combat va être mortel. C'est la pagaille derrière chez moi, là. Il y a tellement de trucs. Bon, et eh ben écoute, est-ce qu'on a fait toute notre économie? Je pense que oui. Je pense qu'on n'a rien oublié. Si, j'ai oublié quelque chose. En mode d'économie, moi, ici, j'ai 2 points de victoire par lieu sinistré adjacent. J'ai mon village qui est sinistré, donc je prends 2 points. 1, 2. Et c'est pas... Il faut pas oublier parce qu'aujourd'hui, on a été à 2 points près. Hein. Ouais, c'est clair. Ok, et eh ben écoute, nouveau tour. Ouais, tu veux faire voir tes ressources? Ce que t'as? Je regarde pas? Ouais, allez. Tu regardes pas? Bon. J'ai ça comme ressource. Ne dites rien. Hein. Et moi, je montre les miennes? Allez. Je sais pas ce qu'il a, mais bon. C'est voilà. Bon? Ouais. Allez, donc, on passe sur une phase de fléau. Tu es toujours première joueuse? Oui. Fléau. On a un séisme qui s'abat en 6. 6. Ah, moi c'est fait le 6. Alors tu dois le mettre adjacent, le plus proche, donc le 5. Le 5. La ferme. Moi c'est une voie qui fait 9 points de victoire. Et toi c'est une ferme qui fait 3 points. Ok. Let's go. Tu enchéris en première? Oui. Donc c'est. On peut enchérir avec du marteau ou de la hache. Okay. Hache. J'investis une hache aussi. Marteau. Je réfléchis. Je réfléchis. Marteau. Hache. Allez, je crame. Je prends. Il crame. Je fais cramer cette voix, malheureusement. Je fais cramer cette voix. Merci pour le nouveau follow. Merci beaucoup. Amandine. Amandine. Ah bah oui, ça fait Amandine. Amandine, je dis Amandine. C'est ça, Amandine. Donc, j'ai fait cramer cette voix. Je vais placer... J'ai hésité, hein. Je vais placer cette innovation sous un lieu prospère encore. J'ai ici ou ici. Je vais le placer ici. ça indique que si cette ferme eh bien, crame, j'aurai 3 blés. Ok. Et je récupère le butin. Et le jeton premier joueur. Ok. C'est une phase de conflit. Ok. Conflit. Tu veux des problèmes? Je fais pas la guerre, moi. Hein. Alors. Il va falloir avoir 9 ou plus pour gagner 10 points de victoire. Si tu as entre 5 et 8 en armée, bah, tu feras 5 points de victoire. Et si tu as 2 ou moins, moins 3. Je suis mal. Ok. Combien tu as d'armée? 2 et 1, 3. Oui, parce que tu as un lieu sinistré adjacent. Oui. 3. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Allez, votons. Votons. Enfin, misons. J'ai que 3. Il faut faire 9? Ouais. Et si on fait 8? Entre 5 et 8, tu as 5 points de victoire. Ok. Attention. Combien tu as? Bah j'ai 8. 4? Non, t'as 3. 4, 5, 6, 7, 8. Moi j'ai 5, 6, 7, 8, 9. Tu gagnes la guerre. Je remporte cette guerre de 1 seul seulement. Waouh. Donc Oli, tu as 8, tu gagnes 5 points de victoire et une pièce. Ah, et une pièce. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et une pièce. Non, je l'ai prise, Ah, tu l'as prise. Pardon, excuse-moi. Okay. Moi, j'ai fait 9 et plus, je gagne 10 points de victoire. Et comme j'ai gagné, bah, je prends 10 plus 4, 14. Donc 9 et 10, 19. Et 4, 1, 2, 3, 4, 23. Et je gagne, il repasse devant. Et je gagne, comme j'ai eu 9 et plus, 2 pièces, plus la pièce de la victoire, 3 pièces. Et ça, c'est vachement bien. Ça, c'est vachement bien d'avoir 3 pièces vers la fin de la partie. Ouf. Bon, Oli, toi, tu as fait 8. Du coup, j'ai... T'as une insurrection. Tu dois... T'es sûr, là, j'en ai une? Ouais, parce que... c'est en dessous. C'est ce qu'il avait dit, Gengis, c'est vrai. T'es sûr, Gengis? Si t'es pas sur le plus haut palier, t'as une insurrection. Donc, tu dois échanger ton premier lieu le plus prospère, de plus haute valeur, c'est-à-dire ta cité, avec l'emplacement 5. Avec ta ferme. Ok. Tu dois intervertir ces deux lieux. Insurrection. Et Jenjins dit oui. Et Oli fait l'insurrection. C'est juste. Et c'est la remontada d'Enzmae. Sur ce coup-là, oui. C'est une remontada parce que... Une remontada de... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. T'as 3 lieux cramés, toi? J'ai 3 lieux qui ont cramé, et toi? 3 aussi. 3-3. Écoute. On continue? On continue. Yes. Phase de... Fléau. Fléau, c'est toi qui es premier joueur. Tu es toujours premier joueur? Qu'est-ce qui va nous arriver? Voyons voir. Eh bien, une famine en lieu numéro 3. C'est c'est une ferme pour moi. C'est une ferme aussi. Je suis premier joueur, je peux enchérir avec des marteaux ou, ou du blé. Okay. Mais écoute, tout de suite, je vais utiliser un petit cube pour enchérir avec... ma petite phase de fléau ici qui me permet d'enchérir gratuitement sur du blé une fois. Donc je le fais. Ok, très bien. Moi j'enchéris un blé. Maintenant je vais enchérir avec... Attends, je réfléchis. Avec un marteau. Un blé. Un marteau. Un blé. Écoute, je crame. Oh, il crame. Je m'y attendais pas. Je fais cramer ma ferme en numéro 3 qui faisait 8 points de victoire quand même. Mais quand elle crame, au moment où elle crame, je prends 3 blés. Ah oui, bien joué. Donc pour, pour la fin de la partie, 1, 2, 3 blés, c'est important. Voilà, donc je prends les ressources. J'essaye de me... Il m'encourage. Oli, Oli. J'essaye de me stuffer pour la fin de la partie. Il y a encore 2 fléaux à venir. Et je récupère cette innovation que je peux mettre uniquement sous mon seul lieu prospère qui me reste, où il n'y a pas d'innovation dessous, c'est ma voix. À partir de maintenant, si je dois remettre une innovation, je pourrais en mettre une deuxième sous un lieu prospère, puisque tous mes lieux prospères ont une innovation. Ok. Ok. Bon, c'est moi qui ai cramé, je reste le premier joueur. On passe en phase de croissance. Ça, c'est embêtant parce que j'aurais bien aimé qu'on ait plus tard. Allez, en phase de croissance, je peux construire pour 1 de moins. Et je peux faire un échange. Ok, tu pourras faire aussi. Ouais, pareil. Alors... Qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que je vais mettre ça en score final. Moi, je vais mettre ceci... non, je me trompe. Je vais mettre en score final aussi, je vais mettre ceci, ici. Donc je peux le mettre sous un endroit safe, parce que tous mes autres endroits sont sinistrés. C'est ça. Allez, je le mets là. Tac. En score final, j'ai construit gratuitement. Maintenant, si je veux faire une deuxième construction, il faut que je la paye parce que j'ai plus de réduction, moi. Moi, j'en ai une et 2. Ah oui, t'as ça cramé. Et après, on peut reconstruire une pile qui a brûlé aussi. Marteau, celui-là. Moi, je vais payer. Tu payes les 2 marteaux? Ouais. Enfin, attends, un marteau. Un marteau sur les 2 puisque t'avais une réduction. Ouais. Ok. Donc, je paye un marteau. Je vais prendre celle-là. Je le fais bien. Moi, je vais payer aussi pour un marteau. C'est pas mal. À mettre peu importe où. Je vais construire pour un marteau celle-ci, moi, par contre. Donc, je paye un marteau. C'est un score final aussi. Et je le mets... Je l'ai mis en deuxième carte parce que j'ai plus de place. Comme toi. Je le mets ici. Je prends le risque de le mettre ici, sous ma caserne. Tu mets en troisième? Ouais, je mets un 3. Attends. T'as pas le droit de faire des... Tu dois pas faire des 2 avant? D'abord des 2, ouais, je pense. Ouais, tout à fait. Il y en a qui disent courage, Oli. On est avec toi. Prépare bien. La phase d'économie, ça sera déterminant. Ouais. Merci, Argache. Allez, je me mets là. Ouais, c'est d'abord 2, hein, Jenjins. D'abord 2 avant de mettre 3. Ok, ouais, je comprends. Je pense, il a dit non. Ouais. Il t'a fait non. Ça va. J'imagine. Non, non, Willow. Ça va, je l'ai pas fait. Parce qu'il y a plusieurs haines à côté. Ouais, c'est ça, c'est ça. Comme ça. Donc, j'ai payé pour faire cette deuxième innovation. Est-ce que, bah, de toute façon, après, il n'y a plus de phase de croissance, donc les cartes qui nous restent, on peut les jeter. Allez. Il n'y a plus de phase de croissance après ça. C'est terminé. Donc, on les défausse. Et on a encore la possibilité de faire un échange. Ah oui, c'est vrai. Et de réparer, bien sûr. Donc moi, je peux pas. Je vais réparer, moi. Moi, je peux pas, j'ai pas assez de marteau. Je vais réparer pour 3. Est-ce que j'échangerai quelque chose? Pour 3 marteaux, je vais réparer cette ferme, moi. Ok. 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 Bien. Voilà. Et est-ce que je bouge ça, moi? Oui, je bouge ma cité avec cette voix qui a cramé. Pour bien me placer pour le scoring final. Voilà. Et moi j'ai fini. Tu me dis si t'as fini. Voilà. Finito pipo. Finito? Donc maintenant, il faut que j'assure sur les 2 derniers fléaux. Il faut que j'ai un peu de chance. Faut que j'ai un peu de chance. Allez, c'est parti. Bien joué Willow, dit Argache. Vous avez besoin d'aide? Salut Tim Tom. Ok. Le dernier qui a cramé, c'était... c'est qui a cramé? C'est Willow. Ah, c'est Willow. Ouais, le dernier... Il me semble que c'est toi. Bon, j'ai réparé une fois, donc... Oui, c'est toi. J'ai 3 lieux cramés, toi aussi. 3. C'est parti. On passe dans les 2 dernières phases de fléau de la partie. La tension monte. Il y a une famine en 2. Oh non, c'est mon village. Bah, c'est mon village aussi. Oh, oh 25 points. 25 points. 25 points qui peuvent partir en fumée. Mais non. Mais il n'y a pas moyen. Mais non. Le village. Alors, c'est moi qui commence. On peut enchérir avec des... du blé, donc on y va. C'est parti. Je vais enchérir avec un blé grâce à... à ta carte. Mon innovation qui est ici. Je peux enchérir gratuitement ici à la place d'un blé. Je le fais. Moi, je mets un blé. Je mets un blé. Je mets un blé. Ah, c'est pas possible, ça. Derrière, il y a encore un fléau. C'est un village de 25 points qui part tirer en fumée, Willow. Que faire? Que faire, que faire, que faire? Il faut que j'en chérisse, là. Hein. Je mets un blé. Surtout que le blé, ça vaut rien. C'est bientôt là. Je mets un blé. Qu'est-ce que je fais? Je mets encore un blé. Sauvons les villageois, dit Argache. Bah ouais, tu parles, 25 points. Comment tu veux faire cramer à 25 points? Blé. Oh là 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 là, Oli. C'est qu'on en avait récolté du blé, hein. Ça, on en avait plein. Que fais-tu, Willow? Abato, abato. Toujours prêt à sauver les autres. Je prends. Je fais cramer mon village. 25 points. Ouais, la montagne de blé, ouais. Je fais cramer mon village de 25 points. T'as pas honte? J'ai honte. T'as pas sauvé ton village? J'ai honte, je l'avoue. Où est-ce que je peux mettre cette innovation? Je peux la mettre ici, à la ferme que j'ai reconstruite. Donc je vais la mettre ici. J'ai pas de choix. Eh ben dis donc. Bon, je reste premier joueur. Oui. Dernier fléau de la partie. Ouh. Un vrai tyran, ce Willow. C'est la 9. C'est un séisme qui va en 9. Oh, c'est le village, il fait 20 points. Alors moi, comment dire, moi mon village il a déjà cramé, donc je peux choisir soit la caserne, soit la voie. Oh la vache, ça aurait pas pu être autre chose. Ça sera la voie, même si elle fait 17 points de victoire, j'ai choisi la voie. Oh. Je choisis la voie. Allez, j'ai choisi la voie, mais c'est chaud patate. Je dois commencer à enchérir avec du blé ou des marteaux. Allez, c'est parti, du blé. Un marteau. Je vais enchérir avec du blé gratuitement. Kratos. Ici, puisque je peux enchérir avec du blé ici. Et donc, je le fais. Je mets une pièce. Bon, je vais voir. Hein. J'ai plus rien. Donc, je suis mal de chez mal. J'ai pas envie de cramer mon village, mais j'ai pas le choix. Moi, je peux pas cramer ma boîte qui fait 17. C'est pas possible. Je viens de cramer un village de 25. Bon, bah voilà, je suis obligée. J'ai pas le choix. Ok. Oh là 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 là. C'est cool. En plus, j'ai rien gagné là. Ah non. Bon, bah. Alors, tu récupères ces ressources et tu récupères donc cette innovation que tu dois mettre sous un lieu safe. Ok. Et ça dit que si c'est cramé... maintenant, on n'a plus de fléau. Ah, il n'y a plus de fléau. Ouais. On s'en fiche. On s'en fiche. Je vais mettre là, okay. À la ferme. On n'aura plus de fléau avant la fin de la partie. Et malheureusement. C'est toi qui as cramé là? Donc... Ouais, je repasse pour mes premières joueuses. Ouais, tout à fait. Pardon, je vais le mettre plutôt comme ceci. On le voit ici. Après, ce qui a été défaussé, on peut l'enlever. Hein. Oui, tout à fait. Allez, comme ça, ça sera mieux. Ok. Et on passe. En phase d'économie, et on n'a plus qu'une phase de guerre après. Ok. Ok. Phase d'économie. Phase d'économie, c'est parti. Je commence pour une fois. Vas-y. J'ai un marteau. Et un marteau. Ici, c'est cramé, malheureusement. Ici, je peux transformer un blé en hache pour la guerre, ça peut être pas mal. Je vais pas le faire de suite. Ici, en économie, j'ai un blé. Voilà. Et ici, ben, j'ai rien, j'aurais pu... T'as rien. J'ai rien du tout. Bah, t'as rien. Ici, est-ce que je change donc de blé en deux haches pour la phase de combat? Je vais le faire. Je vais le faire parce qu'il y a encore une phase de conflit. Je change de blé en deux haches. J'ai le droit de le faire avec cette économie jusqu'à 2 fois. Ok. À toi. Donc là, ici, je prends un marteau. Ok. Je ferai les cartes en dessous après, peut-être. Une hache. Je fais les cartes du dessus. Ok. Je vais prendre 2 blés. Enfin, je les ai pas encore. Je vais attendre d'en avoir. Ouais. Un blé. Un blé. Ok. Donc j'ai les 2 blés et je vais les transformer en hache pour la guerre. Ok, je comprends. Tu as aussi ici, là. Oui, oui, je sais. C'est quoi ce truc d'économie là? Il y a marqué réitérer une autre capacité économique de votre empire. Oh, ok, d'accord. Après, je fais là, c'est mort. Ouais. Bah là, c'est pas possible. Là, c'est mort. Aussi, ouais. Là, j'ai un marteau. Un marteau en dessous, ouais, c'est bon. Ici, du coup, j'ai quoi là? C'est à côté d'une ferme, donc j'ai que 2 points. 2 points. Parce que j'ai changé de voie à cause d'un truc. Ici, village, j'ai donc une hache. Ouais, t'as un village adjacent, donc t'as une hache. C'est ça. Ok. Ici, j'ai 2 fermes de blé. De blé, waouh, tu finis bien en ressources. Ouais, mais ouais. Et tu peux réitérer une économie grâce à cette innovation. Et ben, les 2 points de victoire. 2 points de victoire, tu réitères 2 points. Voilà, okay, ça donc peut se jouer à 2 points. Donc Et moi, j'ai oublié d'activer cette économie-là, qui me dit 2 points de victoire par lieu sinistré adjacent, ça m'en fait 4. Ah oui, tu l'avais oublié. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est la seule chose que j'ai pas fait en économie sur ce tour-ci. Ma question, à la fin, on peut pas reconstruire. Non, parce qu'on peut reconstruire qu'en croissance. Donc moi, j'ai 1, 2, 3, 4, sinistré. Pareil. 1, 2, 3, 4. On n'a pas trop sinistré, ça va, hein. Est-ce qu'on a fini notre phase d'économie? Je vérifie, je pense qu'on a tout fait. Terminé, on passe en conflit. On passe en conflit, et ça sera une fin de partie. Moi, j'ai envie de reconstruire. Alors, oh là là, il va falloir 9 ou plus pour gagner 11 points de victoire. 9 ou plus. Ah oui, quand même. J'ai combien? J'ai 2 en armée, 3, 4, 5. Contre 2. Parce que j'ai 2... lieu sinistré, ouais. Et 2, 4. 4 contre 5. Ok, c'est parti. 4. 5. Ah, tu m'en as envoyé une. Non, c'est une hache que tu m'as envoyée. T'as vu qu'il envoie des trucs. Alors, moi j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ben j'ai... moi j'avais combien? 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, tous les deux on a 10, donc on gagne la guerre tous les deux. C'est plutôt top. Ah, on était partenaires. Hein, il n'y aura pas d'insurrection, donc on gagne tous les deux la guerre. Donc on a le 9 plus. On a les 11 points de victoire plus les 3, donc on a 14 points de victoire tous les deux. Alors 14 points de victoire. Donc Oli 25 plus 10, 35. Et 4, 39. Willow 27 et 10, 37. Postibad qui dit la viking lanceuse de hache. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, lancer des haches. Et 4, 1, 2, 3, 4, 41. On gagne tous les deux une pièce. Et on renouvelle, si on veut, tous nos emplacements où on a un cube pour le blé. Il n'y a que toi qui en a. Moi, j'ai cube. Je renouvelle tout. Non, dommage que c'est la fin de la partie parce que j'ai retiré tous mes petits cubes où il y avait le blé là. Ouais. J'aurais pu refaire un conflit, non, un fléau avec du blé. Punaise, ok. Donc, on a gagné tous les deux 14 points de victoire, on a tous les deux gagné une pièce, on est d'accord? Ok. Score final avant le décompte, Oli 39, Willow 41. Ça va être chaud patate. Décompte final, partie terminée. Je crois qu'on ne peut pas gagner la guerre en cas d'égalité, mais j'ai un doute. J'ai relu Gengis, quand il y a plusieurs gagnants, eh bien, tout le monde prend la récompense victoire. Donc c'est plutôt bien tombé. Ça j'ai revérifié, qu'il y ait un ou plusieurs gagnants autour de la table, tout le monde prend la récompense victoire. Donc c'est plutôt cool. Là c'est ce qu'on a fait. Moi j'aurais bien aimé reconstruire quelque chose, mais c'est pas possible. Ok, Oli, donc on défausse ça, on prend une petite calculatrice et on calcule notre... C'est parti pour le score final. Score final. Ouch. Petite calculette qu'on va mettre ici. Ouais. Alors... Oli, tu veux nous dire combien tu as encore d'endroits qui sont prospères dans ta civilisation? Et je dis les petits lauriers. Là. Allez, 11. 11. Plus. 25. 25. Plus 8. Ok. Plus 14. Plus 32. Faut que tu vérifies, elle n'a pas cramé, hein? Non, 32. Ça cramé. Plus 5, la caserne. Ok. Cramé. Plus 3. 98 et tu as 39. Plus 39. 137. Donc on va... Il y a un petit 100 derrière, tu le montres. On va mettre 37 et on va retourner le petit pion où il y a un petit 100, je vous le montre en grand. Voilà. En miniature. 137. 137 pour Oli. Avant de faire tes décomptes finaux. Ok. Tu avais encore des haches, Oli, des Argache Non. Non, bah, on voit ces ressources là. Là, j'ai enlevé mes ressources. Ouais, j'ai enlevé mon petit. Mais t'avais des haches encore? Non. Non. J'ai plus de haches. Ah, mais t'aurais pu miser une pièce de plus. Non, je l'ai gagnée à la fin. Ah, ok, autant pour moi. Non, je l'ai gagnée. Ok. On l'a gagnée tous les deux à la fin. On a gagné une pièce. Ok. Eh ben, à moi, tu me dis qu'est-ce qui me reste de safe dans ma civilisation? Okay. Donc toi, tu as la ferme 11. 11. Cramé. 14. 14. 3. Terrible. 32. 32, c'est mieux. Cramé. Ouais. 5. Cramé. 17 et 6. Et 6. 88 plus 41. 129. Donc 129, je suis ici. Score à l'heure actuelle, 129 Willow, 137 Oli. Après, il y a 8 points d'écart à l'heure qu'il est. Ouh là 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 là. Moi, le problème, c'est que j'ai rien en score final. Alors, score final, Oli, maintenant... c'est ça. En score final, tu as quoi? Laisse le dessous. Oh, c'était pour le montrer en gros, non? Mais non. Je peux pas le faire, je crois. Ah oui. Si tu veux le montrer. Tu veux le montrer? En score final, tu avais majorité. Gagnez 13 points de victoire si votre empire contient le plus de lieux sinistrés. On ex aequo, ça marche pas? Ça marche pas. J'en ai 4, tu en as 4. Attends, je vérifie quand même. Au cas où, s'il y a une ex... Exactement. Je vérifie quand même. Ça serait sympa de gagner 13 points en plus. Hein. Ah ouais, je comprends. Je pense pas. Mais... À la fin de la partie, gagnez 13 points de victoire si vous possédez le plus de lieux sinistrés que les autres joueurs ou êtes à égalité pour cette majorité. Donc oui. Ouais, ça marche. Oh, ça marche trop la chance. Et ouais, l'égalité fonctionne, tout comme pour la guerre. Ah, donc, je suis trop contente, j'ai hésité, j'ai dit purée mince. Donc tu prends 13 points, donc 37, yes, yes. 37 et 10, 47 et 3, 50. T'es à 150 points. Maintenant, on va voir avec tes scores finales à toi, parce que t'en as plusieurs. Ouais. J'avais que celui-là, mais il valait le coup quand même. Ça, c'est copier une autre capacité score finale de votre empire. Donc, on verra à la fin. Ok. Ok. Ici, j'ai 2 scores finaux. Ah oui, quand même. Si j'ai des fermes adjacentes, donc ça, cette ferme, elle a cramé, cette ferme, elle est safe. 4 points de victoire. Ok. 4 points. 1, 2, 3, 4. Ici, 1 point de victoire. Par blé. Par blé. Ouh, t'en as une tonne, non? J'ai gardé du blé. Oh purée. J'ai gardé du blé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blés j'ai gardé. Ouais, pas mal. Bah ouais, ça fait autant de points que mon truc là. Donc de 133, je passe à 143. Ouh, c'est serré, c'est serré. Et ici... J'ai score final, 3 points par lieu sinistré adjacent. Oh, purée. J'ai 2 lieux sinistrés adjacents, donc 3 et 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et enfin, avec ce score final, non, je peux copier une autre capacité score final de mon empire. Et tu aurais pu recopier ça aussi. Ah, j'aurais pu. Mais ça t'aurait fait plus de points. T'as raison, je le fais, ça te dérange pas ? Non, non, mais trop tard. N'exagère pas. Ouais, ouais, je le fais, ça. Pas de retour en arrière, c'est scandale sinon. Parce que ça me ferait 4 points de plus. Et bah ouais, carrément, moi j'aurais fait recopier ça. Ouais, 10. Ça me ferait 159. Mais t'as pas réfléchi. C'est pas grave, je gagne quand même. Sinon, je prends les 4 points de plus. Allez. Tout ça pour les statistiques. Allez, pour les statistiques. Je recopie pas celle qui me donne 6, mais celle qui me donne 10. Ça vous dérange pas? Pas de scandale, hein. Allez, juste pour le plaisir des abeilles d'art. Allez, comme ça, je passe à 159, 4 de plus. Et on finit avec 9 points d'écart. Ah, ça me fait plaisir, scandale, c'est bien. Oui, pourquoi je recopie pas le score final qui me donne 10 points? J'ai pas compris pourquoi t'as pas fait ça. 10 points, bien sûr. Ah, super, les abeilles d'art, tu peux mettre le chat, là. Ça va, ça va. De toute manière, dans les deux cas, je gagne, mais c'est juste pour les statistiques. Pour mon score, 159, c'est mieux que 155. 159, 150, Oli, quelle belle partie. C'est vrai. Waouh! Bien joué. Quelle belle partie. Pardon, encore, pardon, j'en veux plus de perdre. Ah, yes. Oh finesse. Et je me suis battu jusqu'au bout. Les deux dernières qu'on a fait hors caméra, je perds de peu. Alors, ben merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de mettre des pouces à cette vidéo, c'est très important pour nous. Un commentaire si ce jeu vous a plu, si le live vous a plu, si sur YouTube ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire. Yes, un petit commentaire, un abonnement comme le dit Oli. Rejoignez-nous aussi sur Twitch, on passe de chouettes soirées en live. Le lien est dans la description de cette vidéo. Mais en attendant, n'oubliez pas une chose très importante. N'oubliez pas de jouer parce que jouer, c'est partager. On compte sur vous. For